There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Thunder Axel, donc j'ai un peu de retard dans mes vidéos, mais on se retrouve aujourd'hui pour le Let's Ball. Le retard s'explique tout simplement à cause de mon nouveau casque. Je sais pas si vous entendez au son, mais j'ai pas encore fait mes tests pour voir s'il était meilleur. Cette vidéo sera la vidéo test. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à du lourd, même du très très lourd, parce qu'on va faire des appartements. Et les appartements, bah, ça c'est... Je pense que c'est une partie de la largeur. Franchement, c'est une partie de la largeur comparé à ce que je vais faire. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai la photo juste à côté de moi. Le vert gris, on le voit vraiment pas là-dedans. Donc on va commencer ici tranquillement. On va commencer par prendre un peu de quartz. Donc je le fais au feeling comme d'habitude, en fonction de ce que je vois. Donc selon moi, à partir d'ici, on pourrait faire avec du quartz. Mais attendez, parce que c'est des détails que je vois à peine sur la photo. En plus, c'est une image en 3D, donc imaginez le bon gros délire que c'est pour construire. Donc on va commencer avec 4. Ouais, même 3, on va faire un peu plus large ici pour modifier un peu. Et on va faire une petite modif ici. On va laisser... Ouais, 5 de chaque côté. Ouais, hop, 5. Qu'on va aussi monter de 3. Hop. Et il me semble qu'il y a une petite rainure. C'est pour ça que j'ai fait ici. On va prendre des escaliers qu'on va mettre justement retournés pour avoir cette fameuse rainure qui va faire justement tout le long ici. Bien sûr. Les escaliers, il n'y a rien de plus chiant à placer. Hop. Et là, je n'ai pas assez monté. Ouais, ça rend plus ou moins. Ce que je ferais plutôt, c'est comme ça pour avoir un peu de variation quand même un peu. Bon, ça reste du quartz, j'aime vraiment pas la texture du quartz pour la construction, mais ce n'est pas grave. Donc on va s'attaquer ici principalement à la première aile, parce que, comme je vous dis, ce bâtiment va être assez long, mais c'est beaucoup répétitif, donc quand on aura construit une grosse partie, ça va juste se répéter à chaque fois, donc je pense pas que je vais continuer les vidéos, je vais vous montrer ça plus tard en ellipse, mais il y aura sûrement plusieurs épisodes. Donc ici, on voit, enfin moi en tout cas je vois, parce que vous voyez pas, mais ça ce n'est pas grave. Ici on va monter, je sais pas, attendez, on va compter 3 blocs par étage. Donc 1, 2, 3, plus ici, hop. Et j'en compte 1, 2, 3, 4, 5 étages. Donc 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et hop. Comme ceci. Et ça fait plus ou moins toute la largeur. Mais ça, comme je dis, c'est plus ou moins... Et on va utiliser un matériau qui n'est pas encore très présent et qui va me permettre d'utiliser justement des escaliers. Ce sont les briques. Il me semble que c'est une texture de brique en plus d'après ce que je vois. Enfin, c'est assez petit encore une fois. Attendez. Ah, il me semblait bien qu'il y avait quand même des escaliers en brique. Hein. Je débloquais pas. Donc, on va monter à la même hauteur les briques. Hop. Et il faudrait que je pense à terminer ce bâtiment en fait, parce que ça fait un moment où on le terminera ensemble un jour, peut-être, si j'y pense. Ah, pas grave. Hop, ensuite, on peut remonter de 4, ouais non, 5, parce que sinon ça le fait pas. Hop, comme ceci. Et ici, ça va repasser par-dessus. Comme ceci.
Ensuite, je continue au feeling. Hop, on met des dalles ici. Ouais, c'est ça. Et on va relier ici comme ça. On rajoutera le détail dans les prochains épisodes, très certainement. Ici, ça va vraiment être un épisode sans trop d'ellipses. Enfin, comme vous m'avez demandé. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Hop. On va doubler ici. Mais quand j'avais fait l'épisode sur un gros bâtiment sans ellipse, vous avez pas plu. Ça vous avait pas plu et c'était celui-là. Mais bon, on va faire comme vous aimez. C'est le but de ma chaîne, c'est de 1, comme j'aime bien, quand même, il faut qu'il y ait la partie que j'aime bien, mais aussi comme vous aimez. Sinon, ça le fait pas trop, parce que si je fais toujours comme j'aime bien, ça va pas plaire à tout le monde non plus, et c'est pas cool. Donc, pour éviter de partir un peu n'importe comment aussi, parce que ça, je remarque que j'ai le don de partir n'importe comment. On va aussi augmenter cette partie-ci. Donc on prend double ici et on relie encore une fois ici en mettant des dalles comme ceci. Et alors, petite particularité que je n'ai pas encore faite, ici on va utiliser des dalles de briques comme ça. Et juste derrière, on va mettre des dalles de quartz. Pour ajouter une petite touche de relief, pas grand chose, mais dans le bâtiment il y a justement cette petite ligne qui fait quand même pas mal de la différence. Donc ici ce que je vais faire c'est ça. On est d'accord, ça fait tâche, hein. Tant pis. C'est préférable de faire comme ça même si c'est pas tout à fait représenté à l'identique. Et ici on fait la même chose, de toute façon là ça va être un sol donc en y réfléchissant ça pose pas trop de problème, justement comme c'est le sol, et il y a toujours moyen de masquer en mettant un petit mur qui repart par ici quand on fera la déco intérieure, mais de nouveau c'est des très très gros bâtiments donc c'est un peu complexe de faire tout ça tranquillement. Il me semble que ce côté-ci est plus large. À moins que ce soit juste, il me semble, mais je suis pas tout à fait sûr. Bon, ensuite, je regarde 2 secondes sur le plan. Ça fait déjà quasi 10 minutes pour construire ça. Bah, vous voyez le temps que j'ai mis pour construire ce bâtiment, ça m'a mis beaucoup plus que 10 minutes. Ici, on peut sûrement rajouter cette petite. Ça. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de souci de spawn, même si sur mon monde ça ne spawnera pas, mais c'est pas grave. Voilà, on va s'attaquer à ce côté-ci en premier. Donc ce côté-ci, à ces étages-ci, aux mêmes étages, hop, il y a des balcons qui redépassent un peu sur l'avant, donc je prends 2-3 petits points d'appui. Hop. On va rallonger comme ceci. Pas trop non plus. Juste dépasser d'un, ce sera bon. Voilà. Et ensuite, juste derrière, que je regarde, bien sûr, c'est la partie où il y a un arbre. Bon, on va le faire au feeling, donc. Ça me plaît pas qu'il y ait 4 ici, mais bon, c'est pas grave. On va remonter le mur en briques comme ceci. Si j'y arrive. Et de nouveau ici. Vois pas. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Voilà. Et alors sur le dessus, faudra faire un truc parce que c'est comme des escaliers retournés en fait, mais qui prennent le bord mais en gris. Donc j'aime pas cette justement en faisant comme ça parce que je trouve que ça fait beaucoup trop gros.
attendant, on va garder ça, même si ça fait assez gros. Faut l'avouer, ça fait... Ouais, même carrément gros. Mais pour pas faire trop de tâches, je ferais bien comme ça. Ouais, ça fait toujours bizarre cette ligne qui remonte comme ça. J'essaierai de trouver un truc en attendant. On en était ici. Ouais. Attendez, je fais une petite ellipse histoire de regarder et de mettre les idées claires. Donc, petite modification apportée sur l'avant du bâtiment. J'ai juste reculé ce pilier ici qui remontait jusque tout en haut. Je l'ai reculé d'un en arrière en faisant passer toutes les autres devant. Comme ça, arrivé ici, ben, on n'a plus l'effet qu'on avait justement avant, les drôles d'effets avec le changement direct. Là, on voit qu'il y a quand même une différence. Mais on sent que la différence, elle est plus éloignée et qu'il y a des différences de couleurs ailleurs. Et également, ici, donc pour la terrasse, ce que j'ai fait, ben, j'ai augmenté. Dans ce coin-ci de la terrasse, j'ai juste mis un bloc, enfin une rangée de quartz qui passe devant. Donc ici, on va de nouveau faire 3. On va faire 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va de nouveau faire 3. Voilà, comme ça. Ici, ce que j'ai fait, bah, j'ai juste monté de 2. Comme ça, on sent mieux. Je regarde, là je me suis trompé parce que ça revient comme ceci. Hop, on peut encore monter de 3 au-dessus de ça. Faire une rangée qui part comme ceci. Voilà, et on va remonter ce pilier jusque tout en haut directement, comme ça on n'a pas trop de soucis. Il me semble que j'ai fait une couille, mais au pire, ce n'est pas trop grave. Je modifierai ça et on continue. On enlève, on remet une deuxième couche ici au-dessus. Ah oui, non, c'est bon, j'ai compris d'où vient le souci. Je corrige vite fait en ellipse, comme ça ce sera plus agréable parce que tout casser et recommencer. Et re tout le monde, donc voilà, j'ai corrigé vite fait la faute. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais recompté 3. Donc ici, on voit encore la trace au sol. J'avais recompté 3 et j'avais remonté un pilier. Tandis que sur le bâtiment, non, en fait, il y a 3. Il y a bien 3 piliers. Et en fait, les 3 piliers, le dernier, bah, il est directement recollé avec des terrasses comme ici en fait. Donc. Ici à l'arrière, ce qu'on va faire, c'est de nouveau des terrasses. Hop, donc on refait comme ceci. Remonte plus ou moins à la même hauteur que là. Hop, je prends un point de repère pour pas monter trop haut. Voilà. Et à partir d'ici, ben justement, ça repart comme ceci, avec les terrasses aux différents étages, sauf que ici. Ça va être juste plus large, même plus que juste plus large. Donc, au lieu de faire des terrasses de 5, on va en faire des terrasses de 8. Je sais, c'est du pair, mais en fait, les terrasses vont justement être impaires en faisant des terrasses de 8. Vous allez me comprendre quand j'aurai fait la terrasse. Donc, en fait, ce qui se passe. C'est, on a la terrasse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a une terrasse de 3. Donc c'est séparé ici. Et il y a une terrasse ici qui fait 5. Et de l'autre côté, il y a une terrasse de 3. Parce qu'il y a une séparation au milieu des deux terrasses. Donc ici, ce que je vais faire la séparation. Mais je vais en faire une plus belle quand même avec les barrières qui vont passer au travers. Et on fait ça jusque tout en haut. Et juste ici derrière, bah, de chaque côté, hop, on raccourcit un peu la terrasse. Donc de nouveau ici, c'est pas très beau parce qu'on a raboté de chaque côté et on a du pair malgré qu'on. Ah non, attendez. Non, en fait j'ai rien dit. Excusez-moi, j'ai rien dit. Il faut bien faire du impair. Il faut faire une terrasse comme ça. Voilà. Non, ça ira mieux si je dis
pas de dannerie. On va rester quand même poli en vidéo. Voilà. Et on peut monter ça jusque la même hauteur qu'ici, même juste un peu moins haut. C'est juste quelques blocs moins haut que ceci s'arrête. Donc on va monter. Ça, c'est obligé de le monter jusque tout en haut. Voilà. Et ça aussi, ça se monte jusque tout en haut. Si j'y arrive. Voilà. Et ici, on fait comme ceci. Et on comble avec un bloc de briques. Et de nouveau, ici, on va avoir du quartz. Attendez que je calcule pour être bon. Voilà. Voilà. Et ici, on aura de nouveau du quartz pour la suite du bâtiment. Comme ceci. Qui, elle, remonte encore un peu plus haut que celle-là. Donc là, on avait remonté de 3. Donc ici, on pourra le remonter de 6. Attendez. Ouais, facilement 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, clairement, c'est ce qu'il fallait, c'est remonter de 7. Donc, comme ceci. Je vais faire un petit truc pour que ça fasse un peu moins bizarre, quand même. C'est dommage qu'il n'y a pas de bloc gris comme ceci en escalier. Du vert. Hop. Voilà, pour que ça fasse légèrement moins bizarre, même si ça reste quand même assez bizarre. Il faut l'avouer. Et ici on fait les terrasses et on... je vais les faire en ellipse pour pas que ce soit trop ennuyant. Et on se retrouve tout de suite après. Et on se retrouve enfin pour conclure l'épisode. Je dis enfin parce que pour arriver jusqu'ici, ben, ça n'a pas été facile. Vraiment pas facile pour moi, donc j'ai eu plein de mésaventures, ça fait waouh, facilement 5 heures que j'essaie de bosser dessus, mais j'y arrive pas parce que on m'appelle dans tous les sens et ça devient particulièrement chiant. Donc on a terminé la première, enfin entre guillemets, parce qu'elle va être beaucoup plus longue. Forcément, c'est pas des petits appartements, vous l'avez bien vu. Mais on a terminé la première partie de la première façade, comme ça. C'est parfait, on l'a bien dit comme il faut. Et on se retrouve samedi prochain pour continuer justement ce bâtiment-ci. Parce que vous voyez bien, c'est juste énorme de faire ce bâtiment. Et ce que je vais faire, c'est très certainement...